Après avoir vu le jour en 1926, la reine Elisabeth II d'Angleterre est montée sur le trône britannique en 1952. Cela fait donc 70 ans que la monarque dirige le Royaume-Uni, soit le plus long règne de toute l'histoire de la Grande-Bretagne. Pour fêter dignement cet anniversaire, la famille royale britannique a prévu de nombreuses festivités pour le jubilé de platine d'Elisabeth II, qui a officiellement débuté le jeudi 2 juin 2022. Un événement que les téléspectateurs français ont pu suivre devant leur télévision, étant donné que plusieurs chaînes ont fait le choix de modifier leur programmation habituelle, afin de diffuser en direct le jubilé de platine de la monarque anglaise ce jour-là. Lors de cette première journée de festivité, les citoyens britanniques, qui ont reçu des congés exceptionnels pour l'occasion, ont pu assister au traditionnel défilé militaire, baptisé Trooping the Colour. De son côté, la reine Elisabeth II d'Angleterre a pu compter sur la présence de l'ensemble de la famille royale au sein de Buckingham Palace, à l'exception notable du prince Andrew, qui n'était pas invité. Bien qu'il ait pris leur distance avec la famille royale britannique en allant s'installer en Californie avec leurs enfants, le prince Harry et Meghan Markle ont fait le déplacement au Royaume-Uni pour l'occasion. Même s'ils n'étaient pas invités à se montrer sur le balcon de Buckingham Palace, le couple était bien présent au sein du palais royal, comme le prouvent les photos publiées par la presse britannique. Jubilé d'Elisabeth II, le prince Harry et Meghan Markle sous protection policière durant leur séjour en Angleterre sur l'un de ces fameux clichés, relayés par le Daily Mail, on peut notamment apercevoir le prince Harry et Meghan Markle en compagnie du duc de Kent. Pour rappel, les relations entre la famille royale britannique et le couple étaient plutôt tendues depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont pris la décision de quitter l'Angleterre. Cependant, les deux parties ont finalement trouvé un terrain d'entente pour que le jubilé de platine de la reine Elisabeth II se déroule dans les meilleures conditions possibles. Le prince Harry et Meghan Markle ont notamment obtenu la garantie d'être protégés par la police britannique durant l'ensemble des festivités liées au jubilé de la monarque.